راني دابا انت كنت تكتشف واحد لا فيل من اقدم ليستوار ديال لا كوت ديفوار اللي سميتها باسان. دابا حنا في باسان عندي كنت تكتشفوا لي ميزون كولونيال ديور ديال الاستعمار فين نعسوا كاع الناس اللي استعمروا هذا البلاد. قدام من الوالد قدام من الوالد ولكن الوالد جا لقاهم باقيين مازال ما مشاو. شنو بغيت نعرف انا غير من جات السميه ديال باسان؟ هذا سؤال زوين وعارف بلي عندكم اسئله بحال هكا اللي غادي تكون صعيبه عليا نجاوب عليها. عليها ما جيتش بوحدي، جبت معايا واحد لو غيد اللي معروف بزاف في لا فيل دو باسان سميتو دانييل نغورون. دانييل صافا مال كومون تو مون فري؟ بونجور دانييل. بونجور بونجور. سي ميز اترونجي الوغ هنا في كوت ديفوار اللي كيقولوا هادو سي ميز اترونجي زعما الضيوف ديالي جاو من برا باش يستقبلوهم دو مانيير اوسبيتاليير. فوالا دانييل سويي لي بيانفينو. ميرسي ميرسي ديجا داوار شوازي غران باسام. ميرسي جو فو بريزونتي كالكو سيت دو غران باسام بريسيزمون لا فيل هيستوريك دو غران باسام. بوركوا باسام؟ Il y a deux explications. La première explication vient du peuple Nzima qui dit que Bassam signifie le basouamin, qui veut dire aide-moi à porter mes bagages. Voilà. Et la deuxième explication vient du peuple Abouréhe qui dit Aslam, qui signifie qu'il fait nuit. Au moment où ils s'installaient, ils créaient leur petit campement ici. Il faisait déjà nuit. C'est la raison pour laquelle. Très intéressant. On dit Bassam. C'est un bagage ou la Tahli. Le nom Bassam. Voilà. Je vais vous présenter quatre sites de Bassam. D'accord. Que vous allez aimer, que vous allez apprécier. On va commencer par le Musée national du costume de Grand Bassam. Ok. Et vous allez découvrir pas mal de choses dans ce musée-là. Alors, le Musée national du costume de Grand Bassam, معروف لأن شحال هادي ما كانش musée. Avant que ça devienne un musée, c'était quoi? À l'origine, c'était le palais du gouverneur. Et c'était le premier gouverneur. C'était Benger. C'était Benger. Il a résidé dans ce palais depuis. Benger, c'est Wahed. Alors, Wahed depuis 1893. Depuis 1893, Wahed les Français, oui. Ou les Ata ou Wahed, le quartier de la Côte d'Ivoire de l'Abidjan, c'est Micho Bengerville. Aïe. Voilà, Bengerville vient de Benger. Donc, il y a un musée qui est. Le gouvernail, tu m'as dit, c'était... Le gouverneur. Non, le ici, gouverneur. C'était quoi? Le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur. Alors ici, je vais vous montrer l'ex-palais des gouverneurs, qui est aujourd'hui le musée national du costume de Grand Bassam. Alors, il faut dire qu'il y a eu quatre gouverneurs qui sont passés dans ce palais. Benger a dormi ici en tant que gouverneur. Il y a eu Eugène Bertin, le gouverneur Eugène Bertin. Il y a eu le gouverneur Louis Mouté et le gouverneur Robert Do. On peut regarder? Oui, vous pouvez visiter le musée. Suivez-moi. Alors, vu que nous sommes à l'intérieur du musée, je vais vous confier à M. Ekra, qui est le guide du musée, qui va vous expliquer un certain nombre de choses dans ce bâtiment qui était l'ex-palais du gouverneur. Okay. Monsieur Ekra, je vous présente mes invités. Justement, le palais du gouverneur a été construit et c'était en 1893. C'était à ossature métallique. Ces fers que je vous présente sont venus par bateau en pièces détachées et ils ont donc fait le montage sur place. Ah. On va dire quoi? C'est grâce aux fers que cette maison tient debout 131 ans plus tard. Et ça a été justement solidifié par du béton armé, comme je vous présente. Donc, l'ossature du bâtiment est là, et c'est après qu'on y a ajouté ce béton armé qui fait que la maison tient debout 131 ans plus tard. Les briques et tout ça n'ont jamais été changées? Non, absolument pas. Surtout que c'est inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Non seulement on ne doit rien changer, on ne doit surtout rien dénaturer. Waouh! 131 عام على قبل هذا الحديد اللي جا في باطو بيس ديتاشي ما عندهمش الحق يبدلوا فيه شي حاجه حيتاش باتريمون مونديال دو لونيسكو اكزاكتو داكور ولا كان غادي يطيح ولا شي حاجه يخليوه يطيح باتريمون مونديال دو لونيسكو لا ما يطيحش لا ما يطيحش 131 عام قال لك الغوفرنور كان عنده واحد لا روز ترجم لي انت لا روز هي تحرمياته الحيله كان عنده واحد الحيله اللي زادوبي
Pendant combien d'années elle a duré cette ruse? Ah ouais, ça a duré jusqu'à ce qu'on devienne l'indépendance. Et 12 ans après, oui, c'est en 72. Ah, donc 12 ans après l'indépendance. Absolument. Donc 1972, la ruse. On m'a fait l'oul, qu'est-ce qu'il dit le jeune? Hein, tu m'as fait faire moi, qu'est-ce qu'il dit le C'était quoi cette ruse? Alors, la ruse consistait au gouverneur, donc, vous voyez, il y a un passage secret. Et tous ceux qui travaillaient avec lui ne savaient pas l'existence d'un tel passage secret. Et quand il réapparaissait, tout le monde regardait avec des yeux étonnés, on lui prêtait des pouvoirs mystiques. Quelqu'un s'imaginait qu'il peut disparaître et réapparaître. Ici, je vous présente la maison des artistes, mais qui était à l'origine le bureau des chargeurs réunis, c'est-à-dire les dockers, ceux qui faisaient descendre les trucs au port, les bagages au niveau du port. D'accord. Hedj Bassam, quand il y a ou l'Asima, donc on a un mina Hanaya, ou la maison des artistes, c'était quoi avant, tu m'as dit? C'était le bureau des chargeurs réunis. Donc c'était le bureau des dockers, les canons qui me chouillent, plutôt. حوايج من البور وداك الشيء العاصمه يعني كانت هي العاصمه العاصمه الاولى ديال الكوت ديفوار هي باسام 1893 باسام هي العاصمه 1900 بنجرفيل 1934 ابيجان 1980 ياماسوكرو Bien, ici, je vous présente ce bâtiment emblématique qu'on appelle la maison Ganamé, qui a été construit en 1920 par un ressortissant ghanéen, un riche commerçant ghanéen. À l'époque, il faisait partie des rares commerçants africains qui étaient parmi les autres commerçants qui étaient européens. Et il a construit ce bâtiment et par la suite, il a vendu à un Libano-Syrien du nom de Ganamé. Et Ganamé, sa particularité était qu'il fabriquait de la liqueur à base de la noix de cola. Ah. Et cette liqueur-là était beaucoup aimée par... Non, la cola. La vraie cola. C'est quoi, là? Et cette liqueur-là était beaucoup aimée dans la sous-région.